Hey, salut tout le monde, c'est Arcon, comment allez-vous les amis? Écoutez, moi je vais merveilleusement bien, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Top 10 Guest, et aujourd'hui les amis, j'ai l'honneur de recevoir Dark Vador. Bon voilà, c'est un empereur quand même, donc le garçon il s'enflamme un petit peu, mais juste avant de commencer, Dark, tu m'as dit que t'avais un petit message à faire passer à Shrek. Non, je suis ton père. Oh. Ça décoiffe. Ah oui, il y a juste un truc. Pensez à venir vous abonner à ma chaîne YouTube si mon travail vous plaît, à m'envoyer tous vos clips et vos idées d'invités en commentaire et par message privé. Dark, on va commencer, mais calme-toi, lâche ce sabre, ça m'inquiète un tout petit peu, quoi. Et à la 10ème place, on commence tout doucement sur Need for Speed World avec Vince Tennis qui nous montre un petit carambolage assez sympatoche. Et il n'est pas très satisfait de l'absence de progrès dans vos travaux. Ah mais ça on fait ce qu'on peut, après les écuries, Mercedes, Lamborghini, BMW, ils font absolument ce qu'ils peuvent. Il y a des soucis techniques, c'est vrai. Dispensez-vous de formules de politesse. Bon, d'accord, bah on est quand même désolé. Hein. À la 9ème place sur Dead Island avec Monsieur Yoshinification qu'on peut voir, le zombie est un tout petit peu bugué. Ne m'oblige pas à te tuer. Ah non, ah mais moi j'y suis pour rien, à moins que tu parlais aux zombies hein, si je peux tutoyer. Abandonne-toi au côté obscur. Bah écoute, on lui transmettra le message, il a pas l'air en mesure de répondre, après on essaiera. À la 8ème place sur FIFA 14 avec Vince Venice qui va nous mettre un très joli but, un petit lob par-dessus le gardien, un petit peu handicapé quand même. C'est ça, les rebelles sont là. Bah rappelle-les pas les rebelles, par contre t'as un petit message à faire passer à Vince, je crois que tu m'as dit. Nous pourrons régner sur la galaxie comme père et fils. Ah d'accord, à ce point là. Bon, il a un bon niveau mais à ce point là... C'est grave quand même que... À la 7ème place sur Battlefield 4 avec Evergreentruck86, tu te reconnaîtras, ton pseudo est absolument imprononçable, au pire je l'écrirai. On peut voir que les ennemis sont un petit peu buggés, un petit peu invisibles, formation tortue quoi. Alertez tous les commandements, calculez toutes les destinations possibles, d'après leur dernière trajectoire connue. Bah là je pense pas que ce soit... Enfin c'est pas très dur à trouver, je pense qu'il faut juste... Remotiver les troupes quoi. Peut-être trouverai-je de nouveaux moyens pour les motiver. Avec tes méthodes, ça risque d'être compliqué. Tu les fais fuir, après on peut essayer, je te promets rien. À la 6ème place sur Battlefield 4 avec Drumsrod qui s'amuse à troll l'ennemi puissance 10 000. Hein. Cette faute envers moi était la dernière. Bon, c'était pas vraiment une faute, ok. Il amusait à troller l'un de tes chars, mais c'était plutôt amusant. Très impressionnant. Un dernier message à lui faire passer, peut-être. Tu as terminé ta formation. Il sera content. À 5ème place sur Trial Fusion avec Barbizier. Encore un pseudo de merde, et comme on peut le voir après un putain de saut, et ben il va tout simplement s'éclater la tête dans le béton. Il est peut-être pas aussi fort que l'empereur le croyait. Bah faut pas le juger sur un seul saut, c'est vrai qu'il était très très nul, mais je pense que c'est pas sympa de le juger sur saut. Aide-moi à retirer ce masque. Ouais, c'est sûr qu'il faut qu'on lui retire plus que le masque là. Et on commence sur Watch Dogs avec Frano à la 4ème place. Comme on peut le voir, la voiture de flic est un petit peu spawn chelou quand même. Sois mon allié et je terminerai ta formation. Propose pas ça à des flics, surtout pas dans Watch Dogs. Enfin, c'est notre ennemi principal. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Ah bah, c'est un flic quoi. Puissant. Peut-être, il l'étrait, c'est sûr. À 3ème place sur Assassin's Creed 4 avec The Calimero 67, clip ultra connu du fameux bateau, hein, si je puis dire. Dans ce cas, vous pourrez le lui dire quand il va arriver. Comment ça, je pourrais lui dire quand il va arriver? N'est-il de résister? Je comprends pas. Ah oui, d'accord. Ah oui, je comprends mieux là, le bateau qui sort et tout. Waouh, putain, ça en impose, hein. T'as un dernier message à lui faire passer au petit Calimero? Maintenant, tu es très puissant, comme l'avait prévu l'empereur. À la 2ème place sur Watch Dogs, toujours avec So Winster. Comme on peut le voir, il va se foutre sous un truc qui aplatit les voitures. Enfin, je sais pas ce que c'est censé aplatir et il va se retrouver sous la map. C'est un très très bon jeu, Watch Dogs, dis donc, comme on peut le voir. Ouais, venez mon destroyer interstellaire, qu'il se prépare à mon arrivée. Ah bah oui, non mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Je comprenne que t'as envie de te déplacer et te rendre sur place. Je change les termes du contrat. Soyez heureux que je ne les change pas davantage. Ah mais te vexe pas, mais oui, je t'avais prévenu que c'était une vidéo avec plein de bugs, plein de trucs dégueulasses. Et pour terminer ce top 10 avec, sur Watch Dogs avec Itas qui lui va se retrouver face à un ennemi immortel
enfin un ennemi, c'est un conducteur de chantier un peu immortel. Ils sont assez OP quand même dans ce jeu, les chantiers Earth. Il est ton maître maintenant. Lui, il est mon maître? Mais n'importe quoi, ça pourrait être mon père. Non, je suis ton père. Non. Non. Mes amis, Stop This Guest avec Dark Vador est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne si mon travail vous plaît, à m'envoyer tous vos clips par message privé à ma chaîne Carcon Gaming et à me donner des idées d'invités en description. Dark, juste avant de terminer la vidéo, tu m'as dit que tu avais un petit message à faire passer à Danny Boone. En tout cas pour moi ce sera tout et je vous dis à la prochaine, ciao. L'étoile de la mort sera terminée à temps. Non. N'échouez pas cette fois. T'entends pas? On a plus de carburant. Cette faute envers moi était la dernière. Sur mon PC, y a pas de problème, je m'écrase, je redécolle. Si nous pouvions le convertir, il deviendrait un allié très puissant. Abandonne-toi au côté obscur. Oh merde, merde, il fait quelque chose. Tu as terminé ta formation. Prévenez mon destroyer interstellaire, qu'il se prépare à mon arrivée.